Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Je veux faire honneur à ma tribu ce soir. Je veux faire honneur à ma langue maternelle. Je suis, à force d'être fatigué, j'ai l'impression que je suis un peu enrhumé. Je ne sais pas si vous entendez bien ma voix. Je vais essayer de chanter un cantique avec vous parce que c'est dans ma langue maternelle. Et ceux qui ne comprennent pas le sens de ce cantique dit « Merci, merci, merci Seigneur. » Voilà. Merci, merci, merci Seigneur. Donc, ce cantique dit, merci Seigneur, tu mérites la louange, tu mérites le remerciement. Alors, je vais, j'aime trop cette chanson. Parce que malgré tous les combats que vous menez, malgré toutes les épreuves, les difficultés, les luttes, que ce soit bon, que ce soit mauvais, il faut toujours remercier Dieu. Il faut toujours dire merci à Dieu. Dites-lui merci. Dites-lui merci pour ce qu'il est. Dites-lui merci pour ce qu'il fait pour vous à longueur de journée. Alors, on va écouter ce cantique et on va prier ce soir. Merci, merci, merci Seigneur. Ami Moyel Yole Fata, Nyamie, tu mérites la louange, ô Seigneur. Atimi Nyamie veut dire tu es mon Dieu. Aloua Nyamie. Oh,
Moj, moj, yamye. Mettez les cœurs partagés de direct. Ce soir, le Seigneur va exaucer la prière de quelqu'un. C'est le moment de lui dire merci. Tu es mon Dieu. Merci, 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 mon Dieu. Animo yolem fata. Tu es digne, tu mérites le remerciement. C'est pourquoi je te dis merci. Sortiens nos mots. Ah, cette chanson-là. Quand tu écoutes une chanson comme ça, quelles que soient les épreuves, quels que soient les combats, tu te dis, mais le Seigneur m'a donné la vie. Le Seigneur m'a donné la santé. Le Seigneur m'a donné certaines choses que d'autres n'ont pas. Il y a des gens qui dorment dans la rue. Il y a d'autres qui sont nés handicapés. D'autres sont nés aveugles. Il y a d'autres qui n'ont jamais goûté un seul bonheur de ce que j'ai goûté. Ils n'ont jamais goûté une seule grâce de ce que j'ai goûté. Je respire alors que d'autres sont déjà à la mort. Je respire, je suis en bonne santé alors que certains sont couchés sur des lits à l'hôpital. Ils sont entre la vie et la mort. Il y a des gens qui sont branchés. Il y a des gens qui n'ont rien, qui fouillent les poubelles pour manger le reste de la nourriture que les gens ont jetée. Quelles que soient mes épreuves, quels que soient les combats que je vis, quelles que soient les difficultés, je ne peux que regarder le ciel et dire, oh, mot, merci, merci, merci. Ah,
Seigneur, merci. Bien-aimé, si souvent tu peux considérer l'amour que Dieu a donné pour toi, tu te rendras compte que il n'y a pas un problème plus lourd que la grâce de Dieu dans ta vie. My shakaro brokos. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de m'avoir permis de chanter et de louer avec vous. Moi, j'aime la louange. La louange, c'est ça qui lève mon onction. Si tu m'invites prêcher quelque part, ou si je fais un programme et qu'il y a un groupe musical qui est bien, qui m'amène dans l'adoration, frère, ce jour-là, si vous avez des morts, amenez-les. Quand il y a un groupe musical qui m'amène dans une autre dimension, oh, j'aime la louange. Il n'y a rien de tel. La louange, c'est merveilleux. Ce soir, atmosphère des ossements. Ce soir, nous allons prier. Nous allons prier ce soir. Tu vas prier et je vais prier. Nous allons ce soir prier. Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32. À partir du verset 24, il est écrit: Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Excusez-moi. À l'emboîture de la hanche. Voilà. Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. À la hanche de Jacob, se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit: Quel est ton nom? Et il répondit: Jacob. Il dit encore: Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob interrogea en disant: Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit: Pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Tu mérites la louange. Frère, Jacob était un homme comme toi. Jacob était un homme comme moi. Et Jacob a lutté avec Dieu. Lutter avec Dieu, ce n'est pas se battre avec Dieu. Lutter avec Dieu, aucun homme ne peut se battre contre Dieu. Lutter avec Dieu, c'est résister, c'est persévérer, du moins, jusqu'à ce qu'on reçoive quelque chose de la part de Dieu. Vous croyez qu'un homme peut se battre contre Dieu? Non. C'est Dieu lui-même qui a prévu cette occasion pour amener Jacob à un niveau pour que son histoire change. Le Seigneur permet souvent des épreuves dans notre vie pour nous amener à une dimension de prière, à une dimension de consécration, pour que nous puissions obtenir certaines choses que nous ne pouvons pas obtenir avec des simples petites prières. Il y a des dimensions dans lesquelles le Seigneur nous envoie pour que nous puissions rentrer dans notre grâce, dans notre élévation, dans notre bénédiction et dans notre prospérité. J'ai l'habitude de dire qu'il y a des épreuves qui viennent
pour faire de toi une grande personne. J'ai remarqué que la plupart des gens qui sont devenus présidents de la République, surtout dans mon pays, à part Oufouébouaï, sont des gens qui ont été jetés en exil. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont partis en exil. Et quand on lit l'histoire, à part la Côte d'Ivoire, par exemple, il y a des gens qui sont allés en exil pour la politique et qui sont devenus grands, qui sont devenus forts dans certaines histoires de certains pays. Il y a certaines personnes qui sont allées en prison. Et c'est de la prison que leur histoire a changé. C'est de la prison que leur destinée a changé. Il y a des gens. Voilà. Quelqu'un dit, Oufoué même a connu les îles. Vous voyez, il y a un artiste qui s'appelle Corneille. Mettez les cœurs de temps en temps. Il y a un artiste qui s'appelle Corneille. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu Corneille. La plupart d'entre vous ont écouté Corneille. Moi, j'ai aimé une de ses chansons. Et celui-là a perdu ses parents dans la guerre. Mais deux fois, je m'assois, je me pose la question. Si ses parents n'avaient pas connu la guerre, si ses parents n'étaient pas morts, si celui-là n'avait pas connu ce qu'il a vécu, est-ce que il serait cet enfant adopté-là que nous avons connu, qui est devenu connaître cet artiste-là? Il y a des malheurs, des épreuves qui vont arriver. Il y a des malheurs, des épreuves qui vont arriver. Mais Dieu utilise ça pour ton élévation. Je ne sais pas aujourd'hui tu es en exil. Je ne sais pas tu es en prison. Je ne sais pas tu es peut-être quelque part en train de vivre une injustice. Mais certainement Dieu a prévu ce chemin pour que tu sois grand, pour que ta gloire apparaisse. Quand on va dans la Bible, qu'on voit l'histoire, quand on voit l'histoire, je vais vous donner un rhéma tout à l'heure, mais quand on voit l'histoire de Joseph, Dieu savait que la famine allait arriver. Dieu voulait dévancer quelqu'un en Égypte pour que les parents de Joseph ne meurent pas de faim. Mais pour que quelqu'un arrive vite en Égypte pour préparer, cette grâce pour les parents de Joseph, il fallait que Joseph soit d'abord vendu. Dieu a vu la famine arriver. Dieu dit, il faut que quelqu'un soit en Égypte. C'est en Égypte que la nourriture se trouve. Mais qui je vais envoyer? Je vais envoyer Joseph. Si je vais dire au père de Joseph de me laisser, de laisser Joseph aller en Égypte, il ne va pas le faire. Donc, pour que Joseph aille en Égypte, il faut qu'on le jette dans le puits. Pour que Joseph aille en Égypte, il faut qu'on le vende comme esclave. Pour que Joseph aille en Égypte, il faut qu'on le vende comme esclave. Et pour qu'il soit premier ministre, pour bien recevoir ses parents et leur donner la nourriture, il faut qu'il soit jeté en prison. C'était le plan de Dieu. Maintenant, je vais vous donner un rhéma. On parle d'Israël. Si Jacob n'avait pas eu un problème avec son frère Ésaü pour s'enfuir, Jacob ne serait pas resté dans le lieu où il est resté pour rencontrer l'ange de l'Éternel, rencontrer Dieu pour lutter avec lui, pour que son nom soit changé de Jacob en Israël. Là où l'ange l'attendait, c'était ce lieu-là. Ce n'est pas comme si l'ange est venu par hasard. Mais ce lieu-là, l'ange était déjà là. Il attendait Jacob depuis longtemps. Mais pour que Jacob soit dans ce lieu, il fallait que Jacob aille chez son oncle. Il fallait que Jacob aille passer un temps là-bas. Le rendez-vous était déjà donné par l'ange. Le processus était déjà là. Mais il fallait que Jacob aille, faire tout ce qu'il fallait. Et à son retour, il allait lutter avec l'ange pour que son nom change. L'ange était déjà là.
S'il n'avait pas eu de problème avec son frère, son nom ne serait jamais changé. Je pousse l'histoire encore plus loin, le réma plus loin. C'est Dieu qui a dit à Abraham, tes enfants iront en esclavage en Égypte pendant 400 ans. Dieu pouvait empêcher l'esclavage d'Israël, mais Dieu a prédit cela à Abraham. Dieu ne lui a pas dit, je vais empêcher. Il y a des choses que Dieu n'empêchera pas parce que ces choses sont là pour ton élévation, pour ta grandeur. Je suis convaincu que si Israël n'était pas allé passer 400 ans d'esclavage, Israël n'était pas allé lutter, souffrir en Égypte, l'histoire d'Israël n'aurait pas été aussi si grande. Ils auront eu un petit territoire qu'Abraham leur aurait laissé et puis c'était fini. Mais Israël, pour que tous les autres peuples aient peur d'Israël, il fallait qu'Israël soit esclave. Il fallait qu'on voie Israël sortir de l'esclavage. Il fallait qu'on voie Israël parcourir le désert. Il fallait qu'on voie Israël conquérir sa victoire, remporter des victoires et aller sur la terre promise. Et les autres peuples pouvaient dire, waouh, Dieu est avec ce peuple. On peut te rejeter. Tu es l'enfant le plus détesté de la famille. Mais si on ne t'avait pas rejeté, tu n'allais pas connaître la grâce et la gloire. Il y a des gens qu'on a rejetés. Il y a des jeunes filles qu'on a rejetées de leur famille. Aujourd'hui, elles sont mariées à un homme riche. Elles étaient dans la rue et c'est dans la rue que ce capitaine de bateau est venu la rencontrer. C'est dans la rue que ce pilote est venu la rencontrer. On l'a jeté, elle n'avait rien à manger, elle n'avait rien à faire, elle était obligée de se prostituer. Et c'est dans la prostitution que ce milliardaire l'a connue. Et que ce milliardaire a dit, je fais de toi ma femme. Si elle était avec ses parents là-bas, il ne serait jamais arrivé. Ce n'est pas toutes les situations, des épreuves que tu vis qui sont mauvaises. Il y a des plans que Dieu trace que tu ne peux pas comprendre. Je vais aller plus loin pour vous dire que Dieu peut permettre même à quelqu'un de chuter. Dieu peut permettre à quelqu'un de tomber dans le péché. Parce que Dieu prépare quelque chose. David a péché. David a commis l'adultère. Normalement, Dieu n'aime pas ça. Mais ce péché que David a commis, c'est de là qu'est sorti Salomon. Lorsque les enfants d'Israël sont arrivés à Jéricho, Dieu a permis qu'il y ait une prostituée. Ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas un croyant. Une prostituée pour les sauver. Et c'est la seule qui a été sauvée de Jéricho. Tout le monde a été liquidé, sauf la prostituée. Dieu a donné une longue vie à la prostituée. Et la prostituée est l'arrière-arrière-grand-mère de Jésus. C'est pourquoi Dieu ne regarde pas les hommes à l'apparence des hommes. Dieu regarde les hommes dans le cœur. Il savait que cette prostituée était quelqu'un de bien et que les autres étaient hypocrites. Le Seigneur voulait que Salomon vienne, mais Salomon ne pouvait pas venir d'une autre femme. Il fallait qu'elle vienne de cette femme avec qui David va commettre l'adultère. Souvent, on juge trop vite les gens. Mais il y a des choses que Dieu permet à des gens de rentrer dedans. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont devenus hyper puissants parce qu'un jour ils ont chuté, ils sont tombés, tout le monde les a abandonnés, les a rejetés. Et c'est dans les moments de prière, de consécration, pour demander pardon à Dieu quoi, que Dieu s'est révélé à eux et leur histoire a changé. Tu peux dire, j'ai fait des études, pourquoi aujourd'hui je ne peux pas travailler? Tu peux dire, j'ai été diplôme, pourquoi mais Dieu sait pourquoi tu es en train de prendre ce chemin. J'ai dit à un de mes fils, j'ai dit, il veut faire la police, il veut être policier. Et plusieurs fois ça ne marche pas. Je lui ai dit, mais peut-être que dès que tu vas avoir ton premier poste, il va avoir un braquage et c'est toi qui vas être la victime. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'empêche d'être policier. À chaque fois que tu passes le concours, tu le rates. Tu ne sais même pas pourquoi. Passe à autre chose.
Et moi, Dieu me dit que ta destinée n'est pas de là où tu es, ta destinée se trouve ailleurs. Frère, sœur, Dieu peut te prendre de la France et donner ton âme sœur en Côte d'Ivoire. Il peut te prendre du Canada, donner ton âme sœur au Togo. Il peut te prendre. Je vais vous choquer ce soir. Tu peux même être déjà marié à une femme qui a des enfants, mais certainement ce n'est pas la femme de ta vie. Dieu a voulu seulement que tu aies ses enfants. Mais la femme de ta vie, celle qui doit faire briller ta destinée, est cachée dans un village. Je ne sais pas pourquoi je prêche comme ça. Tu peux même avoir un couple. Vous êtes marié légalement, tout se passe bien. Mais Dieu dit non. De ce couple doivent sortir des enfants que je vais bénir. Mais à un certain moment, vous allez vous séparer. Parce que l'homme de cette femme se trouve ailleurs. La femme de cet homme se trouve ailleurs. Et souvent, on dit, oh, ne vous séparez pas. C'est ceci, cela. Mais on ne sait pas. Peut-être que c'est avec l'autre là qui doit être multimilliardaire. C'est avec l'autre là qui doit être un puissant serviteur de Dieu. C'est avec l'autre là qu'elle doit être une grande dame. Mais l'autre, c'était simplement pour lui donner des enfants. Ou des enfants qui devraient réussir aussi parce qu'ils avaient leur destinée par rapport à l'union de leurs deux sangs. Il y a des choses avec Dieu qu'on ne peut pas comprendre. Souvent, nous voulons tellement certaines choses que nous ne demandons pas à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux au juste? Nous vivons selon le plan, selon tout ce qui est cadré. Voilà Jacob qui arrive dans un endroit. Il y a une sœur qui dit, c'est de moi que tu parles. Sois béni. Quand je prêche comme ça, je touche la vie des gens sans savoir que je suis en train de toucher les vies. Jacob est allé se reposer. Il dit, je suis fatigué, je vais me reposer. C'est au moment où Jacob a dit, je suis fatigué, je vais me reposer. C'est ici que je vais dormir. C'est là, Dieu est venu sous la forme d'un ange se battre avec lui. Mais je pose la question, pourquoi Dieu vient se battre contre quelqu'un qui est déjà fatigué? Est-ce que le Seigneur ne pouvait pas simplement venir lui apparaître et puis lui dire, Jacob, je suis venu te bénir, quel est ton nom? Je vais changer ton histoire à partir d'aujourd'hui. Non, il a fallu que Dieu le provoque. Il a fallu que Dieu se batte avec lui. Je vais pousser un réma. Ce n'est pas tout le couchement que tu fais qui vient du diable. Il y a des couchements que tu fais. Tu te lèves, tu t'es battu avec quelqu'un. C'est parce que Dieu veut t'apprendre à te battre pour remporter ta victoire. Il y a des mauvais rêves que tu fais. C'est parce que Dieu veut que quand tu te lèves le lendemain, tu commences à proclamer que tu as une vie de proclamation, tu as une vie de victoire. Mais toi, quand tu te lèves, c'est « Oh, j'ai vu ça aujourd'hui. Oh, j'ai vu ça aujourd'hui. » Oh, Dieu fait exprès. Le lendemain encore, tu vas avoir encore un couchement, un rêve. Quelqu'un te poursuit un rêve, te fait. Dieu veut que tu saches lutter spirituellement pour que les sorciers aient peur de toi. Mais tu passes ton temps à plaincher. Oh, j'ai fait un mauvais rêve aujourd'hui. Quelqu'un m'a tapé ici. J'ai couru, mais je ne sais pas. Oh, pardon, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Quelqu'un m'a poursuivi en rêve. Le lendemain encore, le Seigneur envoie le même rêve où on te chicote dans le rêve. Une manière de te dire, lève-toi et prie. Une manière de te dire, apprends à proclamer. Une manière de te dire, c'est à toi de les tuer, ces personnes qui veulent te tuer. Marabro, shikarabra. Il y a des personnes, dès qu'ils font un mauvais rêve, ils pensent que c'est la fin du monde. Il y a des mauvais rêves qui sont le signe de ta victoire. Frère, la lumière existe parce que les ténèbres existent. Le mal existe parce que le bien existe. Le bon existe parce que le mauvais existe. Laisse Dieu créer la circonstance de ton miracle. Laisse Dieu créer la circonstance de ton élévation. Jacob était fatigué. En réalité, quelqu'un qui est fatigué, on vient le consoler, on vient le soutenir. Mais c'est quand il est fatigué que Dieu vient se battre avec lui. Est-ce qu'on va dire que Dieu est lâche?
Souvent, quand tu n'en peux plus, les épreuves se multiplient encore. Quand tu ne peux plus. Or, le Seigneur a dit dans sa parole, vous ne serez jamais tenté au-delà de votre force. Si au moment où tu es en train de dire, j'en peux plus, Dieu ramène encore une épreuve, c'est que Dieu sait que tu en peux encore. Au moment où tu es en train de dire, oh, je suis fatigué, et puis il y a quelque chose qui arrive encore, c'est que Dieu sait que tu as encore la force. J'ai dit à quelqu'un un jour, le Seigneur, souvent, il est comme un homme qui prend quelqu'un, il le chicote, et puis la personne tombe. Après, il dit à la personne, lève-toi. La personne, il le chicote encore, il le chicote, la personne tombe. Il dit encore, lève-toi. La personne se lève, il le chicote jusqu'à un moment où là, quand il dit à la personne, lève-toi, la personne dit, Seigneur, je n'ai plus de force pour me lever. Je suis fatigué. C'est là que le Seigneur dit, voilà, maintenant que tu n'as plus de force, maintenant que tu n'as plus ta force, maintenant que tu ne peux plus te lever, maintenant que tu ne comptes plus sur ta force, c'est là que je vais te donner maintenant ma force. C'est là que je vais te donner maintenant mon pouvoir. C'est là que je vais te donner maintenant mon onction. C'est là que maintenant je vais agir pour toi. Mais tant que tu peux te défendre, tant que tu peux lutter, tant que tu as la force, Malabro Koshe Kala. Jacob lutte avec l'ange. Il s'agit de la vie de Jacob. La personne lutte avec lui. Jacob pouvait se laisser tuer pour dire, oh, c'est un ange, je vais le laisser, s'il me tue, ce n'est pas grave. Mais Jacob a lutté. Frère, tant qu'il y a une épreuve devant toi, c'est que tu as la force de vaincre cette épreuve. Dis-moi amen. Tant qu'il y a une épreuve qui se présente à toi, c'est que Dieu sait que tu as la force de vaincre cette épreuve. Au moment où Dieu saura, Dieu va se dire que tu n'as plus de force pour vaincre une épreuve, l'épreuve ne viendra plus. Mais tant qu'il y a une épreuve qui peut se présenter à toi, c'est que Dieu t'a donné la force de vaincre cette épreuve. Tant qu'il y a une preuve qui est encore là, c'est que Dieu sait que tu as la force. Et Dieu veut t'envoyer à la perfection. Il y a une preuve qui devrait te donner 1 million. Dieu dit non, 1 million c'est petit pour toi. Il y a une preuve qui vient, qui augmente à 2 millions. Quand tu as remporté, Dieu dit 2 millions c'est petit. Il y a une autre preuve qui vient pour que tu aies 10 millions. Dieu dit, oh, 10 millions, c'est petit. Il y a une autre épreuve qui vient pour que tu aies 20 millions. Dieu dit, 20 millions, c'est petit. Une autre épreuve vient encore te rendre plus fort. Tu arrives à 30. Dieu dit, 30 est petit. Jusqu'à ce que tu commences à arriver dans les milliards. Dieu dit, 2 milliards, c'est petit. 3 milliards, c'est petit. À un certain moment où Dieu voit que et en effet, tu as trop à magasiner. Il dit, voilà, maintenant, tu as fini de remporter tes victoires. Bénéficie maintenant de tout ça. Mais souvent, nous nous décourageons trop vite. Souvent, nous nous décourageons trop vite. Dès qu'on commence net, dès que les gens parlent, dès qu'on nous accuse, dès qu'on entend quelque chose, dès que quelqu'un nous parle mal, dès qu'il y a ceci, on dit, oh, je ne peux pas continuer ça là, ce n'est pas la peine. Je ne peux pas continuer. Malapré, my savan, ilaba savan, marashavayam. C'est Marabasha Karabaya. Est-ce que quelqu'un peut dire ce soir avec moi? Seigneur, donne-moi la force d'Israël. Donne-moi la force que Jacob avait. Afin que je puisse lutter
jusqu'à recevoir mon exaucement. Frère, tu n'es pas encore fini. Sœur, tu n'es pas encore fini. L'histoire n'est pas classée. Le problème n'est pas classé. Le dossier est encore sur la table de l'Éternel. Ok, tu m'entends? L'histoire n'est pas classée. C'est maintenant que le Seigneur veut abattre tes ennemis. C'est maintenant que tes ennemis vont s'entremanger entre eux. C'est maintenant que la confusion va être dans le camp de tes ennemis. Toi, tu croyais que ça a trop duré 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Tu dis, oh Seigneur, ça fait 5 ans que je souffre. Le Seigneur dit, c'est maintenant. Il dit, c'est maintenant. Le dossier est sur la table de l'Éternel. Dis, Seigneur, donne-moi la force et la résistance de Jacob. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris. Quand souvent, par exemple, nous, serviteurs de Dieu, le Seigneur nous appelle, « Oh Seigneur, qui va nourrir ma famille? Qui va faire ceci? Qui va faire cela? Et si je faisais un business? Et si je faisais un commerce? » Le Seigneur dit, « Fais mon œuvre et tu verras. » Et souvent, nous résistons. Dieu peut nous bloquer plein de choses. Pour nous dire, hé, fais mon œuvre. Fais mon œuvre, fais mon œuvre. Il y a des âmes qui meurent. Il y a des personnes qui ont besoin de la grâce que j'ai mise sur toi. Consacre-toi. Quand tu commences à faire la volonté de Dieu, Dieu s'occupe du reste. Il s'occupe de toi. Ne t'occupe pas de tes ennemis. Ne t'occupe pas de ceux qui te combattent, qui parleront, qui te jugeront. Dieu s'en occupera. Jacob a lutté. Jacob a dit, bénis-moi, bénis-moi tant que tu ne me bénis pas. Frère, il y a des gens qui ont été abandonnés dans la poubelle. L'Éternel les a pris, l'Éternel les a soignés, l'Éternel les a revêtis, l'Éternel les a repositionnés. Leur histoire a changé. Il y a des gens qui ont été rejetés par leur famille, bafoués. Aujourd'hui, leur famille les réclame. Dis Seigneur, donne-moi la force et la persévérance que Jacob a eue. Pour persévérer jusqu'à recevoir son exaucement. Seigneur, bénis-moi. Tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas partir. Tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas partir. Jacob dit à l'ange, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi avant de partir. Jacob dit à l'ange, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi avant de partir. Seigneur, moi aussi, bénis-moi, Jésus, bénis-moi, bénis-moi avant de partir. Seigneur, moi aussi, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi avant de partir. Si l'Éternel a exaucé un homme comme Jacob, Jacob était un malin, Jacob était un mamailleur, Jacob était un hypocrite, Jacob, c'est-à-dire que Jacob était un brouteur même, si tu veux.
Et le Seigneur est venu lutter avec Jacob pour changer sa destinée. Il fallait que Dieu lutte avec Jacob pour faire ressortir ce qui est bon en Jacob. Il y a quelque chose de bon en toi que cette épreuve va faire ressortir. Dis-moi amen. Il y a quelque chose de bon en toi que ces moments difficiles que tu traverses vont faire ressortir. Je vais prier maintenant pour vous. Ce soir, je vais prier. Mon premier sujet de prière, c'est pour la Côte d'Ivoire. Ce soir, je prie pour la Côte d'Ivoire sans parti pris. Parce que ça va se mélanger. Une fois encore, la politique va mélanger ce pays. Retenez ce que je vous dis. Une fois encore, la soif de pouvoir, l'hypocrisie dans la politique, les rancœurs, l'amour de pouvoir, ça va se mélanger. Je prie ce soir que le Seigneur ait pitié de ses enfants, qu'il ait pitié de tous ceux qui sont attachés à lui, qu'il ait pitié des pauvres, des orphelins et des veuves. Je prie pour la Côte d'Ivoire, parce que ce feu qui va s'allumer, ce mélange qui va t'avoir, ces cris que j'entends, ces douleurs que j'entends, ces lamentations que j'entends, comme si on avait donné un courage à des gens qui n'ont plus peur. Il y a des âmes devant eux, ils sont arrêtés. Des gens à main nue sont en train de lutter avec des soldats. Je vois comme si c'est mélangé. Je vois des personnalités en train d'abandonner leur maison pour s'enfuir. Je vois des personnalités en train d'abandonner chez eux, leur maison, leur voiture, s'enfuir. Plusieurs prennent l'avion, d'autres même prennent la route pour entrer dans d'autres pays pour aller prendre l'avion. Je suis en train de voir que ça va péter. Je prie pour ma nation. Seigneur, je ne fais pas de politique. Je n'appartiens à aucun parti politique. J'ai longtemps crié pour le bien de mon peuple. Ce soir, ce que tu me montres, Seigneur, l'Esprit dit que les cœurs sont en train de se révolutionner. Certaines personnes n'accepteront jamais leur défaite. Certaines personnes n'accepteront jamais qu'on leur vole leur victoire. Certaines personnes, et c'est comme les gens sont en train de pourparler pour s'unir, pour devenir comme une seule personne et combattre. Et j'entends. Et j'entends, et je vois les rues remplies. Je prie pour ma nation. Ce n'est pas un direct politique. C'est pourquoi je ne veux pas rentrer dans les détails. Je ne veux pas rentrer dans quoi que ce soit. Tout ce que je peux faire ce soir, c'est demander à tous ceux qui prient de prier pour la Côte d'Ivoire. Je m'arrête là. Je veux prier pour la Côte d'Ivoire. Rien n'est sûr. Rien n'est sûr. Que le Seigneur ait pitié de cette nation. Maintenant, je vais prier. Je vais prier pour la vie des serviteurs de Dieu. Je vais prier pour les pasteurs. Je vais prier pour les prophètes. Je vais prier pour les évangélistes, les docteurs et leurs femmes et leurs familles et les femmes de Dieu, les servants de Dieu, tous ceux qui servent Dieu dans le monde entier. Satan est énervé. Le diable est énervé. Il veut utiliser l'arme de l'accusation. Il veut utiliser l'irrespect et certaines choses. Il veut utiliser les calomnies pour agir contre les serviteurs de Dieu, vider les églises,
détruit les fois, présenter l'idolâtrie comme si c'était la meilleure des choses à faire. Je prie pour les serviteurs de Dieu qui sont affaiblis, qu'ils se relèvent, que Dieu leur redonne la force. Même s'ils avaient péché, que le Seigneur ait pitié de leurs péchés et qu'il les relève. Je prie pour les servants de Dieu. Je prie pour toutes les églises qui sont affaiblies. Je prie pour que l'Éternel accorde les moyens financiers à ses servantes et ses serviteurs pour pouvoir faire l'œuvre sur cette terre. Je prie pour chaque âme. Maintenant, je prie pour les chrétiens. Je prie pour tous ceux qui vont à l'église ou qui partaient à l'église et qui ont été frustrés, qui ont eu un problème avec un pasteur. Peut-être que parce que l'homme de Dieu a chuté, l'homme de Dieu est tombé, l'homme de Dieu les a dit quelque chose qu'ils n'ont pas aimé, quelque chose s'est passé. Nous avons tous péché. Moi-même qui parle, je suis un pécheur. J'ai commis beaucoup de péchés dans ma vie. Je prie que le pardon soit dans le cœur des fidèles envers les serviteurs de Dieu. Et je prie que les serviteurs de Dieu reconnaissent leurs fautes envers les fidèles. Et je prie que les fidèles qui sont morts spirituellement, qui sont brisés, certaines personnes, on les a dépouillés financièrement. Certaines personnes, on les a brisés, des escrocs, des gens. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Père, si j'en fais partie de ceux qui ont fait du mal à quelqu'un, pardonne-moi. Et je prie pour que, Seigneur, les cœurs soient réconciliés avec Dieu, que ceux qui ont abandonné la foi reviennent. Maintenant, je prie pour vous qui me suivez et pour tous les chrétiens du monde entier, que l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, dans toute sa dimension, descend sur vous. Que l'onction, la puissance de Dieu, l'onction qui guérit, l'onction qui restaure, l'onction qui opère les miracles, descend sur vous. Je prie que de là où vous êtes, vous soyez reconnus par le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, que la puissance de Dieu soit avec vous. Je prie pour toutes les personnes qui sont malades. Que la guérison vous soit communiquée maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit le nom de la maladie. Je prie pour tous ceux qui ont un blocage financier, qui attendent une réponse pour une affaire, que le Seigneur débloque cette situation pour vous au nom de Jésus. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je regarde le nom, le Seigneur me met à cœur de prier pour Sylvie Loukou. Ce nom Sylvie Loukou, je le vois plusieurs fois, Dieu me dit, prie pour elle. Je prie que la grâce de Dieu soit sur toi, Sylvie Loukou. Je ne te connais pas, mais le Seigneur me dit qu'il a déposé une grâce sur ta vie. Et à cause de la grâce qui a été posée sur ta vie, tu as vécu beaucoup de preuves. Mais pendant que je suis en train de parler de toi, je vois une fleur. Et le Seigneur me dit, regarde, voici sa vie. Tu vois cette fleur? Tout le monde aime sentir l'odeur. Mais dès qu'ils finissent de sentir l'odeur de cette fleur, la plupart veulent l'écraser et l'étouffer. J'ai mis ma grâce en elle, ma bénédiction en elle. J'ai mis ma main sur elle. Mais ce que les gens veulent dans sa vie, c'est simplement vouloir profiter d'elle. Je suis en train de sentir que Dieu t'a donné une force pour résister à beaucoup de combats. Et le Seigneur me charge de te dire aujourd'hui, il dit à ma fille, les temps passés, les temps perdus, les combats qu'elle a menés ne sont pas en vain. Car j'ai été avec elle. Maintenant, j'ai décidé de l'élever. Je ne te connais pas, Sylvie, mais en ce moment, tu es en train, tu attends quelque chose, tu attends un débouché, tu attends quelque chose. Et tu as fait une promesse à Dieu. Si c'est vrai, tu écris, c'est vrai. Tu attends quelque chose, je ne te connais pas. Tu attends quelque chose et tu as fait une promesse à Dieu. Et tu as dit au Seigneur, s'il accomplit cette chose, tu feras ceci. Je ne vais pas exposer ta vie et ton vœu et tes promesses devant tout le monde. Mais Dieu me dit que tu l'aimes et qu'il a une relation avec toi. Le Seigneur me pousse très loin dans ta vie. Il me dit qu'il t'a accordé un don de révélation.
Tout ce que j'ai dit, si c'est faux, tu marques c'est faux. Si c'est vrai, tu marques c'est vrai. Je ne suis qu'un homme, je peux me tromper. Un don de révélation. Le Seigneur m'a dit qu'il t'a donné un don de révélation. En fait, que si quelque chose doit arriver, que toi tu as vu, cette chose-là, elle doit arriver. Quand tu préviens quelqu'un, il doit faire attention. Et j'entends songe. Dieu me dit dans les songes, il te parle beaucoup. Je ne te connais pas, femme. Je ne sais pas qui tu es. Mais dès que j'ai vu ton nom, le Seigneur a voulu que je parle de toi. Mais ce soir, parce que le Seigneur est en train de m'utiliser, de reparler encore de ta vie, elle écrit, c'est vrai. Elle a écrit, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ce soir, le Seigneur te donne une nouvelle grâce, une nouvelle onction. Il me charge de te dire de ne pas te décourager. Parce qu'il y a eu des moments où ce n'était pas facile. Le Seigneur me dit de te dire de ne pas te décourager. Que tout ce que tu lui as demandé dans le secret, dans la prière, va commencer à s'accomplir. De ne surtout pas te décourager. Le temps est arrivé. Ce n'est pas toi qui m'as dit, papa ou homme de Dieu, parle de moi. Fais ceci, je ne te connais pas. J'ai vu ton nom, l'esprit m'a dit parle. Je suis passé à autre chose. J'ai revu encore, il dit parle. Je suis passé à autre chose. La troisième fois, je ne pouvais pas résister. C'est là que je commençais à parler de toi. Que le Seigneur te bénisse. Il y a une onction ce soir. L'esprit de Dieu est en train de me dire, je veux faire grâce ce soir. Bien-aimés, nous allons faire quelque chose. Vous allez témoigner par écrit, ceux qui veulent appeler, ils appellent. Nous allons faire quelque chose. Ouvrez votre main droite chez vous. Il y a une notion ce soir, c'est une notion de prospérité. Le Seigneur vient de me donner une parole prophétique. Il me dit à partir d'aujourd'hui, il me dit à partir d'aujourd'hui, l'argent ne te manquera pas. Et il me dit, à partir d'aujourd'hui, tous ceux pour qui tu prieras pour la prospérité auront la prospérité. Quelle que soit la situation qui sera difficile, l'argent lui-même va courir de là où il est pour te rejoindre. Je suis en train de ressentir, de recevoir une notion de prospérité. Dans ce direct, en ce moment, il y a une notion de prospérité. Si tu as un blocage, si tu as besoin d'une promotion, si tu as besoin d'argent, si depuis un moment, tu ne sais plus où est passé l'argent, c'est l'heure est arrivée de recevoir cette notion. Ouvrez votre main droite. Voici le signe que je vous donne. Soufflez simplement trois fois dans votre paume, comme ça. Une fois, deux fois, trois fois. Quand vous avez fini de souffler, ne fermez pas votre main. Pendant que vous m'écoutez, regardez la manifestation qui est en train de se passer dans cette paume maintenant. Pendant que vous m'écoutez, il y a des démangeaisons dans la main de certaines personnes, comme si on est en train de chatouiller ta main. J'aimerais que chacun écrive ce qu'il ressent après, qu'il ressent. Il y a certaines personnes qui sont en train de sentir comme de la chaleur et du feu. Non seulement tu reçois la prospérité, mais tu as un don de puissance qui est en train de se manifester dans ta vie. Il y a des gens, c'est comme si on gratte dans leur paume. L'argent va venir. L'argent va venir. Ça commence, c'est débloqué, ça va venir. L'argent va venir. Ta paume est en train de te gratter. Tu sens que ta paume, d'autres même, c'est toutes les deux mains qui les grattent. L'argent va venir. C'est fini. L'argent va venir. L'argent va venir. Tu ne feras plus de fort. L'argent va venir. Quelqu'un peut écrire ce qu'il ressent maintenant dans sa main. C'est tellement fort. L'Esprit de Dieu me dit, oh, il y a quelqu'un qui dit, ma paume droite me gratte. Ça ne fait que commencer. L'Esprit de Dieu me dit, pendant que je suis en train de proclamer pour vos paumes, prenez votre verre d'eau, votre bouteille d'eau en même temps. Quelque chose va se passer ce soir. J'ai dit, aujourd'hui, c'est l'atmosphère des ossements. Je l'avais dit hier, je suis là pour ça aujourd'hui. Si tu as ton eau à côté de toi,
Ce soir, je ne te demande pas de souffler dans l'eau. Je te demande simplement de regarder cette eau pendant que je suis en train de parler. Au nom de Jésus, je déverse la puissance de Dieu dans cette eau maintenant. Dis Amen sur toi. Au nom de Jésus, je déverse la puissance de Dieu dans cette eau maintenant. Dis Amen sur toi. Au nom de Jésus, cette eau est scellée. Il y a l'eau que vous avez entre vos mains. Il y a certaines eaux qui sont là chez certaines personnes. Ça va changer de couleur maintenant. Il y a certaines eaux, c'était de l'eau plate, mais ça va commencer à avoir des bulles comme si c'était de l'eau gazeuse. Il y a certaines eaux qui normalement on n'a rien mis dedans. Si tu goûtes après, ça va être, avoir un goût comme si tu avais mis un produit dans cette eau. Malabrekosokala. Pendant que je parle, je vois l'ange de Dieu lui-même déjà en train d'exercer. Cet ange que je suis en train de voir est en train d'agir et je suis convaincu que ce que je suis en train de déclarer est en train de s'accomplir sur vous maintenant. Maintenant, 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 la puissance de Dieu descend sur vous. Quel est ton sujet de prière? Si c'est un problème de déblocage, parce qu'il y a un blocage dans ta vie, j'ordonne et je proclame que c'est débloqué. Si c'est un problème d'enfantement, j'ordonne et je proclame que c'est réglé. Si c'est pour un voyage, j'ordonne et je proclame que tu voyages. Quel que soit le sujet qui te tient à cœur, tu es exaucé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit me dit, tous ceux qui ont eu une manifestation dans la main, tous ceux qui ont senti la puissance de Dieu ou tous ceux qui croient à mon onction, ce dimanche qui arrive, faites une offrande. Donnez quelque chose à quelqu'un. Ne m'envoyez pas une offrande forcément à moi. Si vous voyez qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui a faim, donnez-lui à manger. Vous voyez un mendiant que vous avez à vous sentez. Ne donnez pas votre argent à n'importe quel mendiant. Il y a des mendiants, ce sont des sorciers. Il y a des mendiants, ce sont des sorciers. Faites très attention. Ou tu vas à l'église, tu fais ton offrande. Ou bien tu vois une pauvre dame là, mais ayez le discernement. Ne donnez pas votre argent à tout le monde. Semez dans la bonne terre. Ou bien vous connaissez un serviteur de Dieu, faites l'offrande. Mais ce dimanche qui vient là, fais une semence. Ce dimanche, fais une semence. Tu dis au Seigneur que c'est pour sceller la grâce qu'il a déposée dans ta vie aujourd'hui pour la prospérité. Ce dimanche qui arrive, fais une semence. Quelle que soit la chose, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, même si tu as donné 500 francs CFA à quelqu'un, tu as donné un 200 francs quelque part, 1000 francs, mais donne quelque chose à quelqu'un pour qu'il te dise merci. Si tu veux sceller aussi dans la vie d'un homme de Dieu, pour être sûr que c'est parti dans la bonne terre, fais-le. Mais ce dimanche-là, agissez. Je proclame par la puissance du nom de Jésus. Je ressens une notion très forte. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont en train de sentir la chaleur comme du feu dans la main gauche? C'est une notion de guérison. C'est une notion de puissance. La plupart des gens qui sont en train de sentir une manifestation dans la main gauche, la plupart des gens qui sentent une manifestation comme du feu dans la main gauche, tu es en train de recevoir un don de puissance, un don de guérison. Il faut avoir l'habitude d'imposer la main à quelqu'un qui est malade. Quand tu pries, lève ta main gauche dans le combat spirituel et les proclamations, tu vas voir ce qui va se passer. Je libère une onction de grâce sur votre vie. Dites-moi Amen. Demain, c'est dimanche. Tu ne peux pas m'appeler, ma fille. Samedi, demain, je ne reçois pas. Mais laisse-moi un audio sur mon WhatsApp. Je te donnerai des orientations. Samedi, dimanche, je me repose. J'ai besoin vraiment de repos. Excusez-moi. Je réponds à la sœur qui a laissé un message. Je libère la puissance de Dieu sur votre vie. Je libère une onction particulière sur votre vie. Je prie
que la grâce de Dieu se communique à ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus, reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Vis-la maintenant. L'onction de l'exaucement. L'onction de l'exaucement. Que tout ce que tu demandais dans le secret te soit maintenant accordé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si quelqu'un a une remarque, un témoignage, a écrit un témoignage, fais-le. Et si quelqu'un veut appeler pour, je peux prendre une seule personne. Si c'est trop, c'est deux. Juste pour un témoignage, pas pour un sujet de prière. Si quelqu'un a ressenti quelque chose, si quelqu'un a vécu quelque chose pendant la prière, tu peux écrire ton témoignage. Je suis convaincu ce soir que nous sommes exaucés au nom de Jésus. Je suis convaincu que ce soir que c'est un nouveau départ dans la vie d'une personne. Je suis convaincu ce soir que c'est un nouveau départ dans la vie d'une femme. Aujourd'hui, quelque chose va se passer. Est-ce que vous savez qu'à partir de la semaine prochaine, nous allons entendre de très bonnes nouvelles? Oui, vous pouvez boire l'eau, mais ne la buvez pas pour le moment. Après le direct, vous remerciez le Seigneur. Vous remerciez le Seigneur avec le psaume 3, le chiffre 3. Le psaume 3, 1, 2, 3. Vous remerciez le Seigneur, vous lisez le psaume 3 et puis vous buvez votre eau. La semaine prochaine, beaucoup de personnes vont commencer à entendre de très bonnes nouvelles. La semaine prochaine. Cette semaine qui arrive, à partir de lundi, tu vas entendre de très bonnes nouvelles. Cette semaine qui arrive, c'est ta semaine. Ce mois finira avec ton exaucement. Au nom de Jésus. Alors dites-moi ce que vous avez vécu dans votre paume, ce que vous avez vécu en priant pour l'eau. Quelqu'un dit dans quelques heures, c'est mon anniversaire, je suis né. Ok. C'est qui? Mon anniversaire dans quelques mois. Marque peu, ange bled. Ok. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie, ange. Et que cette nouvelle année que le Seigneur t'accorde soit une année d'excellence. Que ce soit une année de prospérité. Que ce soit une année de grâce, que cette nouvelle année t'amène à recevoir tout ce que tu demandais depuis fort longtemps à l'Éternel. Seigneur, souviens-toi de ta fille, souviens-toi de ton enfant, et que pendant cet anniversaire, Seigneur, la grâce soit sur sa vie. Au nom de Jésus, que la bénédiction soit sur sa vie, et que Seigneur, tout ce qu'elle t'avait demandé lui soit accordé. Joyeux anniversaire dans quelques heures. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Ok. Vous avez vécu des choses? Alors, vous pouvez continuer à laisser vos témoignages après. Pour ne pas trop allonger le direct, je vais faire une prière finale. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes quoi aujourd'hui? Nous sommes vendredi. Alors, j'aimerais bien me reposer demain samedi parce que mon corps me dit qu'il a besoin de repos. Le dimanche, je verrai comment le Seigneur m'oriente. Si, préparez-vous, ça peut être dimanche à 21h, on peut avoir un direct de prière. Mais si on fait un direct de prière le dimanche, ça sera un direct de remerciement à Dieu dans la louange et pour que Dieu soit glorifié. Si on ne le fait pas, ça sera le lundi. Et après le lundi, je vais prendre quelques jours où je vais faire peut-être des petites vidéos, mais j'ai besoin vraiment, et je me prépare aussi pour un moment de retraite. Je me prépare pour un moment de recul. Donc, voilà. Mais je suis toujours avec vous. Surveillez toujours vos téléphones. Et dès que vous voyez que je suis connecté, venez. Donc, je ne peux pas vous donner un programme très précis aujourd'hui. Voilà. Dans vos prières aussi, priez pour moi. L'apôtre Paul a dit, priez pour moi. Afin que lorsque j'ouvre la bouche, voilà,
Donc, priez aussi pour moi et que le Seigneur utilise vos prières pour agir encore plus à travers ma vie pour que je puisse encore vous apporter plus de choses. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Passez une très 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 bonne nuit. Que tout ce que nous avons reçu ce soir soit scellé dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nyamien Adou Marus, je prie pour toi. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que le Seigneur agisse en ta faveur. Que toute situation bloquée dans ta vie soit débloquée. Que le Seigneur t'accorde la prospérité. Que les malédictions de la famille ne te suivent plus. Que les malédictions, les échecs et les blocages de la famille ne te suivent plus. Que le Seigneur ait pitié de toi et que ce soit la fin de tes épreuves au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom. Passez une très, 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 très bonne nuit. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir suivi le direct. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Shalom.